19h. De nombreux bénéficiaires de logements sociaux sont en retard dans le paiement de leur mensualité, une situation dénoncée par l'Office malien de l'habitat qui menace d'expulser les mauvais payeurs. Près de 200 policiers et sapeurs-pompiers sont arrivés à Kidal pour occuper les deux commissariats de la ville. L'objectif de ce déploiement est de rassurer la population sur le plan sécuritaire. Les détails, ça sera dans ce journal. Le rapport au titre de l'année 2022 de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite décèle des milliards de manques à gagner. L'institution promet de remettre les dossiers à la justice. Et voilà donc pour les sommaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a remis aujourd'hui son rapport annuel de l'année 2022 au colonel Assimi Goïta, président de la transition. Plusieurs présumés cas de malversation y sont dénoncés, notamment le paiement indu de subventions publiques à l'établissement privé. Ce dossier chaud est désormais entre les mains du président de la République. Les explications, c'est avec Bakary MCDB. En effet, l'analyse faite par l'OCLI en 2022 a porté sur les subventions accordées par l'État aux établissements privés de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel dans la période de 2017 à 2021. Cette analyse a relevé que chaque année, l'État verse en moyenne aux écoles privées la somme de 49,6 milliards de francs CFA. Avec ces montants, l'État peut construire et faire fonctionner annuellement 80 nouveaux lycées. En outre, plus de 1000 écoles fonctionnent avec des arrêtés présumés faux. L'analyse a constaté que le dysfonctionnement avait atteint un seuil alarmant. En conséquence, il convient d'adopter des mesures fortes pour améliorer la gouvernance du secteur de l'éducation nationale. C'est dans ce cadre que l'OCLEI recommande aux autorités, entre autres, de procéder à un contrôle administratif systématique des actes de création et d'ouverture des établissements privés de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel sur l'ensemble du territoire, de veiller au strict respect des dispositions réglementaires en matière d'orientation et de réorientation des élèves dans les établissements privés, d'adopter un plan de progression du nombre d'établissements secondaires publics, de procéder à la fermeture de tous les établissements privés ne remplissant pas rigoureusement les conditions d'exercice, de traduire en justice les auteurs, co-auteurs et complices de la production et de l'utilisation des arrêtés présumés faux. L'OCLEI, en plus de faire des propositions à l'État, annonce également la transmission des dossiers à la justice. Adam Tangara. Au titre de la contribution à la répression, de 2019 à 2022, l'OCLEI a transmis à la justice 23 dossiers pour 23,855 milliards de francs CFA, soit en moyenne plus d'un milliard de francs CFA par dossier. Dans ces dossiers, les enquêtes de l'OCLEI ont identifié 503 biens immobiliers présumés illicitement acquis, à savoir 124 maisons d'habitation, 29 bâtiments commerciaux ou professionnels, 285 parcelles, et 65 concessions rurales totalisant 181 hectares. Le montant total des fonds présumés illicites identifiés sur les comptes bancaires des 23 personnes s'élève à 21,335 milliards de francs CFA, alors que dans la même période, leurs revenus légitimes s'élèvent à 1,106 milliards de francs CFA. Les personnes concernées proviennent de différentes couches socio-professionnelles, gouvernement, élus, administration générale, administration financière, justice, armée, affaires étrangères, établissements publics, etc. Le conseil de l'OCLEI veille au respect scrupuleux des principes contradictoires de la présomption d'innocence et de la confidentialité dans la réalisation des enquêtes. Au titre des déclarations de biens, à la date du 31 décembre 2022, l'OCLEI a exploité 2842 déclarations de biens. Il a mis en œuvre un système de codification et d'archivage qui améliore considérablement le traitement, l'exploitation et la confidentialité des déclarations de biens. Cependant, l'OCLEI constate une baisse drastique du nombre des déclarations de biens déposées à la Cour suprême. En 2022, l'OCLEI a reçu et analysé 32 rapports produits par les structures de contrôle et de régulation. L'analyse de ces rapports fait ressortir des irrégularités financières
pour un montant de 188 876 millions de francs CFA, 1166 irrégularités administratives et 88 manquements aux exigences de performance. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans le titre, dans le contrat que signent les bénéficiaires de logements sociaux, ils s'engagent à ne pas accuser de retard dans le paiement de la mensualité sous peine de se voir retirer le logement. Aujourd'hui, de nombreux bénéficiaires accusent des arriérés dans le paiement de leur mensualité. L'Office malien de l'habitat, sous l'autorité de son ministère, se trouve donc dans l'obligation d'expulser les mauvais payeurs. Et la Fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs des logements sociaux tente de donner des explications avec Amadou Dja. Aujourd'hui, de nombreux bénéficiaires de logements sociaux accusent des arriérés dans le paiement de leur mensualité. Face à cette situation, l'État a décidé d'agir pour ne pas compromettre le programme. C'est dans ce cadre que l'Office malien de l'habitat, sous l'autorité du ministère de tutelle, se trouve dans l'obligation d'expulser ces mauvais payeurs avisés depuis longtemps. À travers des correspondances de l'Office malien de l'habitat, je dis bien des correspondances, ensuite il y a eu des sommations d'huissiers, à leur endroit. Donc, ils sont suffisamment informés. Par contre, la Fédération des associations bénéficiaires et demandeurs de logements sociaux du Mali a affirmé qu'aucun bénéficiaire en retard dans le paiement de leur mensualité ne s'est plaint d'une notification d'expulsion. Mais on a vu des lettres de réclamation de retard de paiement acquisés par certains bénéficiaires des logements sociaux. En tout cas, le contrat qui nous les lie est clair, quand on est en impayé, on doit libérer le logement. La fédération justifie ses retards dans le paiement de leur mensualité par diverses raisons. Il s'agit notamment... Il y a beaucoup d'activités qui sont à l'arrêt, surtout les particuliers qui sont dans les logements sociaux, qui n'ont que des activités génératrices de revenus qu'ils mènent pour pouvoir joindre les débuts. Et ces activités aujourd'hui sont à l'arrêt. Le retard acquisé dans le paiement des mensualités des logements sociaux peut être dû aussi à certains cas de transfert d'une banque à une autre banque. Même après l'expulsion des mauvais payeurs, les sommes qu'ils doivent à l'Office malien de l'habitat seront payées, insiste le directeur général de l'OMH. Pas parce qu'on est expulsé que ces loyers passés ne vont pas être remboursés. Ces loyers-là, nous allons les récupérer également. Par ailleurs, même si la Fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs de logements sociaux du Mali accompagne l'Office malien de l'habitat dans sa démarche, elle sollicite également son soutien. Il n'y a pas un seul bénéficiaire qui soit de mauvaise foi et ne pas vouloir aller payer sa cotisation. On ne peut pas occuper un logement et ne pas prétendre aller payer sa cotisation. Ce n'est pas dans nos intentions, mais nous sommes forcés quand même de respecter quand même les engagements. Puisque vous êtes sans savoir qu'il y a quand même il y a des milliers de personnes qui ont postulé pour ces logements-là, et quelques centaines l'ont eu, et s'il faut qu'eux, ils ne payent pas, et les milliers qui n'ont pas eu, comment ils vont se comporter? En tout cas, cette situation met en péril la chance pour d'autres citoyens de bénéficier des logements sociaux. Un programme qui vise à fournir un toit décent aux citoyens à faible revenu. Actualité sur un tout autre plan, les activités artisanales sont rassemblées en trois groupes, 8 branches et 40 corps de métier et plus de 400 métiers artisanaux. L'artisanat de production ou de transformation, l'artisanat de service et d'art constituent les trois groupes. Tout ça pour dire que l'artisanat est un secteur vaste et porteur pour l'économie. Tous ces corps de métier se retrouvent au Siama. Zoom sur quelques artisans avec notre reporter Assitam Diallo et Fousseyni Kamar. Natif de la région de Kidal, depuis le plus jeune âge, Ak Chérif évolue dans l'artisanat. Sac, tableau, il fait plusieurs pièces avec du cuir, du bois et autres matériaux touareg. Ces métiers, je les trouvais avec les parents. Voilà, depuis que je suis petit, j'ai commencé à faire tous ces travaux. Nous faisons beaucoup de choses, des tableaux pour la décoration des maisons et des bureaux aussi. Nous avons des coffrets en cuir aussi, nous faisons des bijoux aussi. Les faits à base du bois et du cuir et du bronze et argent touareg.
De Kidal, nous allons à la rencontre de Seydou Bogré, artisan maroquinier du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Évoluant dans ce secteur depuis 1998 et avec son style propre à lui, il confectionne des chaussures, sacs, pochettes, entre autres. Bon, moi je suis dans une famille, et notre famille c'est des artisans maroquiniers et moi je suis rentré dans la maroquinerie en 98 et donc ça fait plus de 20 ans d'expérience. C'est l'imagination, c'est les images, voilà, on arrive à faire créer et produire de nouveaux modèles. La matière première, c'est du cuir, cuir époutané, teinté au Burkina. Venant du pays de la Teranga, le Sénégal, Aïcha Koulibaly, elle, est dans la couture. Ses créations reflètent sa passion pour son métier. Waouh, couture bi mom, mën na né depuis xalé, ma ngi ci parce que solo, maquillage, coiffure, dafa nek lo xamne dafa mësa passionné bi ma néké xalé ba légui. Dama dan dem ci tailleur, ma koy expliquer sama ñew bam jeex. Donc après, lolu moma gëna amené à ce que ma dugg ci couture bi. Donc depuis ñu nek ci ba légui, yag na mais depuis plus de 25 ans quand même, ñu ngi ci à 100%. Moi, je suis dans la couture. Et la couture, comme art aussi, nous l'artisanat, donc nous sommes pour participer. Collier traditionnel tamashek, tissu dampé, Makata Wallet nous vient de la région de Gao. Dans son stand, on retrouve des articles qui nous transportent dans la riche culture de sa localité. Bon, là, nous avons des colliers traditionnels tamashek de Bagdad qui sont faits Aminata, elle, s'est engagée dans la transformation agroalimentaire. Nous faisons des sirops, des concentrés de gingembre, nos produits locaux d'ailleurs, gingembre, bissap, tamarin, date sauvage. Nous avons récemment lancé aussi des nouveaux produits, mais ça c'est plus côté thérapeutique et un peu médicinal, avec nos plantes même du Mali. Voilà, des plantes médicinales, des plantes thérapeutiques. Il y a même du beurre de karité amélioré et tout. Du pays de Nana Akufo-Addo, le Ghana, Gladys confectionne des habits et accessoires avec des motifs typiquement du Ghana. I'm doing some Africa clothes and Africa fabric. And we are here for selling. And I have some beautiful things from Ghana. Clothes, dresses, everything you need, bangles, fan, everything you need, I have it here. La confection ou réalisation de la plupart de ces produits nécessite un certain temps et une attention particulière. Dans un tableau, on peut jusqu'à une semaine, deux semaines, on peut toujours travailler sur un tableau. Il y a même des tableaux qu'on peut faire jusqu'à un mois, en train de faire le travail. Et la confection, le temps de confection, ça dépend des modèles et la quantité. Une paire de chaussures, une seule journée, on peut le faire. Les sacs aussi, une seule journée, on peut le faire. Mais si c'est des modèles compliqués, cela peut arriver à deux jours. Des œuvres et des inspirations différentes qui reflètent l'univers riche et florissant de l'artisanat africain. C'est cela le monde de l'artisanat. Chacun dans son domaine transporte de par sa créativité. Et c'est cette diversité que l'on retrouve ici au Salon international de l'artisanat du Mali. Un univers riche et florissant. Présent également à la 4e édition du Salon international de l'artisanat, le groupe Renouveau brille de par sa présence et ses réalisations. Et les travailleurs de la chaîne, dans l'optique d'être proches du public, multiplient les visites et les rencontres. Nous retrouvons nos correspondants sur place. Mobilisé pour participer activement au SIAMA 2023, le personnel de Renouveau multiplie les prises de contact et les émissions en vue de renforcer sa proximité avec le public. Déjà, je tiens à féliciter le Renouveau et tous ses personnels
Être ici, c'est vraiment l'honneur pour tout le monde. D'autant plus que l'objectif recherché pour le renouveau, c'est d'être à côté de ses téléspectateurs. Là, vraiment, on constate que le monde est là, le renouveau est là, ils sont ensemble. Ça, c'est une très, très bonne chose. Les présentateurs et également les techniciens dont ils entendent parler, c'est-à-dire en longueur de la journée, encore en longueur d'année, sont presque tout le temps ici. C'est vraiment pour faire une prise de contact également, et contact physique avec les visiteurs. C'est-à-dire qu'à travers l'art, on peut voir vraiment tout un peuple, les composantes du peuple. Donc un peuple même, vraiment, moi je peux dire qu'il est assis sur son art. L'art et en général la culture. C'est une branche aussi de la culture. Et vraiment, Renouveau, que Renouveau soit là aujourd'hui, ça ne me surprend pas, parce que Renouveau aujourd'hui, vraiment, nous sommes un grand groupe de presse. Et notre but et notre volonté, c'est d'informer les Maliens au Mali à travers la diaspora pour montrer vraiment l'art de notre pays et aussi même des pays voisins qui sont représentés ici. Il a toujours cherché vraiment à être proche de son public. Le stand de Renouveau TV reçoit la visite du public qui ne tarit pas d'appréciation du groupe de presse. Renouveau aujourd'hui, c'est une chaîne à dimension nationale et multinationale qui fait la fierté aussi aujourd'hui de tous les Maliens. Donc je me réjouis vraiment des visiteurs, de voir le stand de Renouveau ici sur ce plateau, sur cette foire. Vraiment, c'est impressionnant en réalité. Et quand je suis rentré, vraiment, j'ai vu la chaîne est Renouveau. C'est une première. Mais ce n'est pas du tout étonnant quand, pour celui qui connaît Renouveau, qui a toujours donné le ton, le premier ton pour l'émergence dans toutes choses. L'intégration est bien faite. Et surtout, nous avons vu aussi que la radio Renouveau et la télé Renouveau s'est mis, n'est-ce pas, dans un stade pour montrer ce qu'ils peuvent faire. Et je crois que ça, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que nous sommes vraiment vus de tout ce qu'on fait et nous sommes vraiment remerciés pour ça. L'administrateur général du groupe Renouveau parle le mieux de la participation de la structure au salon. Le groupe Renouveau est donc bien présent et continue à faire vibrer le cœur de ses téléspectateurs de par la réalisation des émissions sur place, notamment la très populaire Télé fait son show, très attendue sur le site de la foire. Et oui, la télé qui est vôtre se veut et doit être plus proche de ses téléspectateurs. Par ailleurs, l'Amicale des anciens étudiants et stagiaires maliens du CST, AMA CST, a organisé ce samedi 25 novembre 2023 sa deuxième assemblée générale à l'Institut de formation judiciaire du Mali. Placée sous le slogan « Pour un journalisme sain et solidaire », cette assemblée générale a été une occasion pour le bureau sortant de présenter aux membres de l'Amicale à son rapport avant de procéder au renouvellement du bureau. Et c'est Tchegumboubei Maïga qui remplace Alassane Souleymane à la tête de l'AMA CST. Un compte rendu signé Youssouf Koulibaly. Après deux mandats bien remplis, le bureau exécutif de l'AMA CST, dirigé par Alassane Souleymane, a passé la main à une nouvelle équipe lors de cette deuxième assemblée générale ordinaire de l'Amicale. À cette occasion, le bureau sortant a fait le point des activités réalisées et de la situation économique de l'Amicale. L'AMA CST, très tôt, s'est trouvé une place de choix dans les rangs des associations qui animent l'espace public, qui participent à la promotion de la liberté de la presse, du devoir et du droit d'informer. Les deux exercices du bureau exécutif, 2017-2020, 2020-2023, nous ont permis surtout de faire grandir notre association de l'AIC à un niveau honorable au regard de la qualité de ses hommes et de ses femmes. Si les cotisations des membres se sont élevées à 635 000 francs CFA, l'apport des organismes institutionnels et financiers est estimé à 2 500 000 francs CFA. À ce jour, les recettes sont estimées à 3 085 000 francs CFA et les dépenses sont arrêtées à 1 850 000 francs CFA. Le total du solde en banque et du solde en caisse est de 1 722 984 francs CFA.
Pour les présidents sortants, l'heure n'est plus à la promotion de l'amical, mais à l'action. Terre amassestien, notre association a fini son adolescence. Le moment est arrivé de poser les jalons de la maturité. Après la promotion, la vulgarisation, l'heure est à l'action à travers des projets et programmes concrets. Tout en félicitant les bureaux sortants pour le travail abattu, le nouveau président de l'AMA CST, Tchogoum Boubey Maïga, promet de se mettre à la tâche avec son équipe pour relever les défis. Donc au nom de l'ensemble des membres du bureau, j'affirme solennellement qu'on va être à la tâche dès aujourd'hui. Le plan d'action est connu, les urgences sont connues, on se mettra à la tâche pour mobiliser l'ensemble des membres, on est assez nombreux, pour que l'association soit à hauteur de souhait. Tchogoum Boubey Maïga est à la tête d'un bureau de 12 membres pour un mandat de 3 ans. Au cours de cette assemblée, une minute de silence a été observée à la mémoire des Cestiens décédés. La première édition du festival Soninké des Niamakala du Mali se tiendra du 17 au 20 janvier 2024 sur les berges du Palais de la Culture de Bamako. L'information a été donnée ce samedi 25 novembre en faveur d'une conférence de presse. Ce festival qui va réunir tous les Soninké du Mali est d'ailleurs placé sous le thème « La cohésion sociale et le vivre ensemble ». La Sinjakiti. Placé sous le haut parrainage du colonel Sadio Camara, ministre de la Défense, la première édition du festival Soninké des Niamakala du Mali a pour objectif non seulement de promouvoir la culture soninké, mais aussi de rassembler tous les Maliens en général et les Soninké du Mali et d'ailleurs en particulier autour d'un idéal qui n'est d'autre que de soutien à la cohésion sociale et le vivre ensemble. La cérémonie qui nous réunit, elle est très modeste. Très modeste car il s'agit des Niamakala Soninké avec tous les hommes de caste du Mali qui se mettent ensemble pour organiser un festival culturel Soninké des Niamakala du Mali que je vous demande de les applaudir très fort. Ce festival, pour la première fois, et la première édition aura lieu du 17 au 20 janvier 2024 dans le souci de mettre ensemble tous les Soninké du Mali et d'ailleurs autour de notre patrimoine culturel commun qui est le Mali. Pour cette première édition, plus de 15 000 participants sont attendus durant les 3 jours du festival et plusieurs activités sont prévues pour promouvoir la cohésion sociale. Ce festival va réunir 7 troupes artistiques venant de différentes communautés qui vont compétir pendant la durée du festival. Il y aura aussi des remises d'attestation à tous ceux qui ont œuvré pour la bonne marche des valeurs soninké. À noter que le budget prévu pour l'organisation de cette première édition du festival Soninké de Niamakala du Mali s'élève à 68 millions de francs CFA. Tour du Mali, Ségou pour commencer. L'agence de développement régional a tenu le jeudi dans un hôtel de la place la revue annuelle 2023 du programme de coopération Mali-UNICEF. Il s'agissait pour les membres du comité de pilotage d'examiner l'état de mise en œuvre du programme afin d'y apporter des changements nécessaires pouvant garantir l'atteinte des objectifs. Mamadou Lamine Sogouba, compte rendu. Examiner l'état de la mise en œuvre du programme de coopération Mali-UNICEF, élaborer un plan de travail annuel 2024 du programme. Tels sont entre autres les sujets abordés par les membres du comité de pilotage du programme à travers cette revue annuelle 2023 du programme de coopération Mali-UNICEF. C'est avec un réel plaisir que je m'associe à chacun d'entre vous pour apprécier l'évolution des résultats et autres engagements associés au programme de coopération Mali-UNICEF 2024, notamment les plans de travail roulant 2022-2023 dans la région de Ségou. Et cela dans le cadre de la revue annuelle 2023. En cette occasion, je voudrais tout d'abord
exprimer toute ma gratitude aux autorités régionales pour leur disponibilité constante à appuyer et à abriter les différentes revues. Soyez remerciés pour toutes les dispositions qui ont été prises pour assurer un succès à ces assises. ADER Ségou, une initiative saluée par l'UNICEF qui a reçu l'Agence de développement régional de Ségou de son accompagnement. Je voudrais aussi saluer tous les services techniques et les organisations de la société civile qui travaillent sans relâche à la mise en œuvre du programme de coopération Mali-UNICEF 2020-2024 à travers le PTR 2022-2023. Il me plaît toujours de rappeler la vision du programme de coopération Mali-UNICEF 2024 qui voudrait permettre à tous les enfants du Mali, en particulier les plus défavorisés, d'exprimer leur plein potentiel dans un environnement favorable et protecteur. UNICEF, cette rencontre du comité de pilotage du programme de coopération Mali-UNICEF a permis aux participants d'identifier des solutions pour accélérer l'atteinte des principaux objectifs de 2024. L'association Denia Makala de Fana, avec le soutien de Mohamed Koulibaly Dibavieux, a célébré ce dimanche la reprise triomphale du Kidal par l'armée malienne. Et pour ces gardiens de nos patrimoines culturels, c'est une manière pour eux et leurs djatigis d'exprimer leur joie et de soutenir les forces armées maliennes. Un compte-rendu signé Omar Koïta. Les populations de Fana étaient au rendez-vous ce dimanche pour célébrer la victoire de nos forces de défense et de sécurité à Kidal. En effet, sous la présence des autorités traditionnelles communales et les forces de l'ordre de la ville, la récotrade de Fana, soutenue par le président de CDP Mali Couroie, a exprimé sa joie suite à l'entrée des femmes à Kidal à travers un nyaka. Ils ont réussi. C'est que 10 000 soldats ont échoué pendant plus de 20 ans. Bravo à vous, Fana. Nous avons gagné. Le Mali va a gagné. À travers vous, le Mali a gagné. Et ils sont tous en joie. Bravo à vous, soldats. Natif de la ville, Mohamed Koulibaly Dibavieux, président de CDP Mali Couroie, a salué l'initiative. Selon lui, cette victoire de Fama a rempli de bonheur le cœur de tous les Maliens. Nous rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, qui nous a montré ce jour pour les recotrades, de magnifier sa joie à travers la prise de Kidal, qui était sous emprise des terroristes depuis 10 ans. On remercie le bon Dieu, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Aujourd'hui, je parle au nom du CDP Mali Couroie, qui est un parti créé depuis 10 ans au Mali, et le CDP Mali Couroie. Donc le Mali Couroie dont on parle aujourd'hui, nous, on avait avec nous sur le document il y a 10 ans de cela. Donc moi, je ne fais que remercier les autorités de la transition et leur souhaiter bon vent et bonne chance pour ce qu'ils sont en train de faire pour le Mali, pour l'Afrique et pour le monde entier. Cette manifestation a été magnifiée par la présence du conseil spécial du président de la transition, Aguibou Dembélé, qui a tenu à saluer la population de Fana pour son soutien aux femmes. Kidal, à présent, près de 200 policiers et sapeurs-pompiers prennent position dans les deux commissariats. Et oui, comme annoncé depuis quelques semaines, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a procédé au déploiement d'environ 200 policiers et sapeurs-pompiers dans les deux commissariats de la ville de Kidal, conquise par l'armée le 14 novembre 2023. Le contingent est arrivé ce dimanche 26 novembre 2023 à bord d'un avion de l'armée de l'air du Mali. Le commentaire est signé Gabriel Keïta. Selon plusieurs sources proches du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le déploiement de 198 policiers dans les deux commissariats de la ville de Kidal a commencé le jour même de leur arrivée, à savoir le dimanche.
Ces forces de sécurité, selon les mêmes sources, viendront s'ajouter au nombre important de militaires qui sont entrés triomphalement dans ce bastion de la rébellion Touareg le 14 novembre dernier. Depuis le retour de l'armée malienne dans la ville de Kidala, après 11 ans d'interdiction, les initiatives se multiplient pour rassurer les populations du retour de l'État. Le redéploiement des services sociaux de base, la sécurité et la stabilité, telles sont les nouvelles missions assignées au nouveau gouverneur récemment nommé. Il s'agit du général El Hadji Gamou, qui visiblement, sans encore élire domicile dans le gouvernorat de Kidala, multiplie les rencontres à Bamako avec les chefs des tribus de la région des Ifokas présents dans la capitale malienne. Pendant ce temps, le commandement militaire à Kidala a déjà pris langue avec le chef du conseil communal. Sport, football, les Aigles du Mali ont été battus ce mardi 28 novembre par la France par le score de 2-1 lors de la deuxième demi-finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Les Aigles cadets tenteront désormais de remporter la petite finale contre l'Argentine le vendredi 1er décembre. Jelika Guindou. Pourtant, c'est le nom. Le Mali tentera d'accrocher la troisième place face à l'Argentine battue par l'Allemagne 4-2 après un score de 3-0 au bout du temps réglementaire. La rencontre est prévue vendredi 1er décembre 2023 à 13h. Et voilà, ce journal est terminé. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Emmanuel Koulibaly. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt. Bonsoir.